Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Planète Zoo dans laquelle on va découvrir ensemble le nouveau pack tropical. On est donc sur un pack classique contenant des nouveaux éléments de décor sur le thème de l'Indonésie cette fois et 5 nouvelles espèces d'animaux, à savoir le fossa, le varan malais, le gibbon à main blanche, le pot-à-mouchère roux et le paresseux qui est donc une nouvelle espèce de vivarium. Ce que je vous propose dans la première partie de cette vidéo, c'est de vous faire découvrir les nouveaux éléments de décor dans une petite séquence de défilement, de faire un point rapidement sur ces éléments, et dans une seconde partie, on découvrira ensemble les 5 nouvelles espèces d'animaux un peu plus en détail. Je vous parlerai aussi brièvement de la nouvelle mise à jour gratuite 1.13 qui vient donc compléter ce nouveau pack. Allez, c'est parti, je vous emmène. On se retrouve donc sur la map du jeu pour faire un petit point rapide sur ces nouveaux éléments de décor. J'espère que cette petite séquence de défilement vous aura plu. On a donc une nouvelle série de toits pour créer des pagodes par exemple. A savoir que ces toits sont recolorables en partie. On va pouvoir recolorer la couleur du bois en dessous. On a ensuite une nouvelle série de murs comme à chaque fois. On a les murs arrondis, les arches, les toits plats, des petits murs ici qui sont hors gris pour pouvoir les placer comme on le souhaite. Ils sont bien évidemment aussi recolorables en deux parties. Vous avez une partie qui va définir la couleur sale et une partie qui va définir la couleur de l'abri. On a ensuite donc une nouvelle série de poteaux, des carrés, des plats, des ronds sur trois tailles différentes à chaque fois. On a des petites planches de bois, ceux-ci sont évidemment recolorables aussi. On a des colonnes en pierre avec de la mousse qui sont également recolorables. Vous allez pouvoir recolorer la pierre sur trois niveaux, la pierre en elle-même sur deux couleurs et vous allez pouvoir recolorer la mousse verte en une couleur différente si vous voulez que ça fasse aussi de la saleté. On retrouve aussi différents objets de décor en pierre dans le même style que les poutres précédentes. Ensuite, on a des ornements couleur or et la même chose en version bois peint. Ceux en or ne sont malheureusement pas recolorables, mais ceux en bois peint, vous allez pouvoir changer chaque couleur. On a également toute une série d'objets en pierre pour pouvoir créer des statues recolorables également. Vous allez pouvoir choisir la couleur de la pierre et de la mousse. On a quelques petits objets de décor divers, des petits pots, des coupelles, voilà, des pots en terre. On a des paquets de sacs, des paquets de planches, des paquets de cartons. On a une petite ombrelle. On a une collection de rideaux que vous allez pouvoir recolorer également. Ça, c'est plutôt pas mal, je trouve, pour rajouter un petit peu de décor à l'intérieur des pièces. On a aussi toute une série de poteaux pour créer des barrières, une nouvelle barrière,
une petite échelle, des petites planches en bois liées entre elles, que vous allez pouvoir par exemple aussi empiler pour faire une pile de bois, des poignées pour des portes, et des petits décors d'écorce de bois. On a aussi bien évidemment, comme à chaque nouveau pack contenant du décor, une nouvelle table, une nouvelle poubelle et un nouveau banc. On a forcément des nouveaux décors muraux qui reprennent donc les 5 nouvelles espèces d'animaux. On a donc ici le fossa, le gibbon à main blanche qui est décliné en 3 coloris puisqu'on peut avoir cet animal en 3 coloris différents. On a aussi le paresseux, on a le potamochère roux, le varan malais qui est décliné aussi en 2 exemplaires. On a aussi un petit peu de végétation pour aller avec ce pack. Pas d'arbres malheureusement puisque l'environnement tropical est déjà bien présent dans le jeu, mais j'aurais malgré tout aimé avoir de nouvelles variétés d'arbres, mais je pense qu'on a ce qu'il faut déjà dans le jeu. On a donc des drinaria en 3 exemplaires, 3 tailles différentes, donc ce sont des plantes que l'on peut accrocher sur un mur, ou plutôt sur des rochers. On a donc aussi ces 4 petites plantes qui sont des népenthes, vous avez les versions au sol et les versions suspendues. On a aussi des rafflesies en 2 tailles différentes, et on a aussi des vignes marronniers déclinées en 4 formats différents. Voilà donc pour tous ces éléments de décor. Plein de nouvelles petites pièces à détourner qui vont permettre de pouvoir créer encore de nouvelles choses. Un peu déçu sur la végétation, je vous avouerai que je m'attendais à un peu plus, sachant qu'on est dans un univers tropical et donc des forêts hyper denses, etc. Mais bon, on a déjà ce qu'il faut dans le jeu, ça suffira. On va dire que ce pack vient un petit peu compléter ce qu'on a déjà eu auparavant. Voici quelques plans qui ont été créés par Frontières avec ces nouveaux éléments de décor pour avoir un petit aperçu de ce qui peut être créé. On a ici une petite entrée, ici une arche. On a ici une petite tour sur le thème de l'Indonésie toujours. Une petite entrée aussi avec quelques ornements en or. Bon, ici on est sur des objets déjà présents dans le jeu. Quelques salles de personnel créées avec ces objets aussi. Donc vous voyez que les toits, ça apporte vraiment une touche très particulière. Et ici on a des petites tours en style de pagode. Voilà, et ici on a un exemple de vivarium visitable sur le thème de ce pack. Voilà donc tous ces éléments de décor contenus dans le pack tropical. On va maintenant passer à la suite et découvrir en détail ces 5 nouvelles espèces d'animaux. Allez, c'est parti. On passe donc maintenant à la découverte des 5 nouvelles espèces d'animaux de ce pack tropical. On commence dans un premier temps avec le varan malais. On a donc ici un varan qui est très proche de celui qu'on avait déjà. Donc je suis assez déçu à ce niveau-là pour cette nouvelle espèce. Mais bon, ça nous fait un varan supplémentaire. Au niveau de l'azopédie de cet animal, que nous dit-on? Alors, c'est une espèce avec préoccupation mineure, pas de danger d'extinction, etc. Au niveau de son habitat naturel, on est sur le continent asiatique et on le retrouve au niveau des régions de l'Inde, du Sri Lanka, du Bangladesh, de la Thaïlande, de la Chine, etc. etc. Au niveau du biome, on est sur du tropical évidemment, de la prairie et du biome aquatique. Pour ce qui est de l'habitat minimum requis, on va être sur 280 mètres carrés minimum pour un adulte, pas de structure d'escalade requise. Il va nous falloir minimum 75 mètres carrés d'eau pour qu'il puisse aller nager, bien évidemment. Au niveau de la profondeur d'eau requise, il va en falloir quand même puisque le varan malais nage sous l'eau. Pour ce qui est de la température, il faudra qu'elle soit comprise entre 12 et 42 degrés. Et pour la clôture, ce sera du niveau 2 supérieur à 1 mètre. Au niveau de la sociabilité de l'animal, on peut donc mettre un mâle et une femelle maxi par enclos, hors jeune, bien évidemment, comme à chaque fois. Il n'y a aucune domination. Un système de reproduction basé sur la promiscuité sexuelle. Règle de l'âge adulte solitaire, donc tous les descendants adultes deviennent des intrus. À savoir que cette nouvelle règle fait partie de la mise à jour 1.13. Relation avec les humains, confiant, cependant les visiteurs ne peuvent pas rentrer dans l'habitat évidemment. Et pour ce qui est de l'interaction interespèce, le varan malais ne tire aucun avantage à partager son enclos avec d'autres animaux. Voilà donc pour le varan malais. On passe ensuite au potamochère roux. Alors, le potamochère roux, que nous dit-on sur cette espèce? Il a une préoccupation mineure également. Au niveau de son habitat naturel, on le retrouve sur le continent africain, dans les régions notamment du Sénégal, Gambie, Mali, Guinée, Nigeria, Cameroun, etc., etc. On est sur un biome également tropical, prairie et aquatique. Il lui faudra donc 300 mètres carrés minimum pour un adulte.
pas besoin de structure d'escalade ni de lac. En revanche, vous pouvez en mettre un quand même pour qu'il puisse boire. Pas besoin de profondeur d'eau. Une température qui devra être comprise entre 8 et 42 degrés. Et une délimitation d'enclos de niveau 2 supérieur à 1,25 m. Pour ce qui est de la sociabilité de l'animal, on peut mettre jusqu'à un mâle et 9 femelles dans l'enclos. Au niveau de la domination, le mâle dominant dirige son harem et le défend contre les mâles venus de l'extérieur. Donc faites attention, si vous mettez plusieurs femelles avec plusieurs mâles, il risquerait d'y avoir des conflits dans l'enclos. Donc si vous mettez 9 femelles, vous mettez qu'un mâle. Ensuite, le système de reproduction est basé sur la polygynie. Règle de l'âge adulte, il est matrilinéaire. Donc les mâles adultes liés à l'alpha deviennent donc des intrus. Relation avec les humains, plutôt confiant, mais pas possibilité de faire entrer les visiteurs dans l'habitat. Au niveau de l'optimisation interespèce, le potamocharou tire un avantage à partager son enclos avec toutes ses espèces. Donc le bongo, le bonobo, l'hippopotame, l'okapi, le mandrill, etc. Donc si vous mélangez ces espèces ensemble, ils vont donc tirer un avantage et ça fera augmenter leur optimisation. Voilà donc pour le potamocharou. On passe ensuite au gibbon à main blanche. Donc ici vous pouvez voir qu'on a un gibbon de couleur blanche, un gibbon qui se trouve ici de couleur roux et un gibbon ici de couleur brune. Voilà, avec un petit moonwalk pour aller manger. Donc le gibbon à main blanche, que nous dit-on sur la zoopédie de cet animal? On est donc sur une espèce en danger avec une population dans la nature comprise entre 15 et 20 000. Pour ce qui est de son habitat naturel, on le retrouve sur le continent asiatique, dans les régions de la Thaïlande, l'Indonésie, Myanmar, Chine, etc. Pour ce qui est de son biome, on est donc sur un biome uniquement tropical. L'habitat requis minimum pour cet animal sera de 230 mètres carrés pour un adulte. Il aura besoin également de 60 mètres carrés minimum de structure d'escalade. En revanche, il n'aura pas forcément besoin d'eau ni de profondeur pour cette eau. La température de l'habitat devra être comprise entre 12 et 42 degrés et il devra y avoir une délimitation d'enclos de niveau 2 supérieur à 4 mètres. Pour ce qui est de la sociabilité, vous allez pouvoir intégrer jusqu'à 5 mâles et 5 femelles dans l'enclos. Au niveau de la domination, on est sur une famille composée d'un couple dominant. Système de reproduction basé sur de la monogamie. Règle de l'âge adulte, on est sur un système grégaire, donc tous les descendants adultes sont tolérés dans le groupe. Relation avec les humains confiants, mais les visiteurs, une fois de plus, ne peuvent pas rentrer dans l'habitat. Au niveau de l'optimisation interespèce, donc le gibbon à main blanche pourra être couplé dans un enclos avec la loutre cendrée, l'orang-outan de Bornéo et le siamang, et ainsi tirer un bonus au niveau de son optimisation. Voilà donc pour le gibbon à main blanche. On passe ensuite à la dernière espèce qui se trouve dans l'enclos, qui est donc le fossa. Alors le fossa, que nous dit-on au niveau de sa zoopédie? Donc c'est une espèce vulnérable, population dans la nature comprise entre 2600 et 8600. Au niveau de son habitat naturel, on le retrouve sur le continent africain, dans les régions de Madagascar uniquement. Pour ce qui est du biome, ce sera du biome tropical. Son habitat devra être de minimum 270 mètres carrés pour un seul adulte. Il aura également besoin de 40 mètres carrés de structure d'escalade. Pas forcément besoin d'eau ni de profondeur pour celle-ci. Au niveau de la température, elle devrait être comprise entre 12 et 42 degrés également. Et la clôture devrait être de niveau 2 supérieur à 3 mètres. Pour ce qui est de la sociabilité, on pourra donc intégrer un mâle et une femelle maximum. Pas plus, au-delà des conflits vont se créer dans les enclos. Aucune domination particulière. Un système de reproduction basé sur la polyandrie. Règle de l'âge adulte solitaire. Donc tous les descendants adultes deviennent des intrus. Donc toutes les descendances, une fois adultes, devront être extraites de l'enclos et mises dans un autre enclos ou relâchées dans la nature. Relation avec les humains timides. Donc je vous conseille, si vous mettez des parois en verre, de mettre du verre sans teint pour éviter de générer du stress sur les animaux. Et les visiteurs ne peuvent bien évidemment pas entrer dans l'habitat. Au niveau de l'optimisation interespèce, le fossa ne tirera aucun avantage à partager son enclos avec d'autres. Voilà donc pour le fossa. On passe ensuite à la dernière espèce de ce pack, qui est donc une nouvelle espèce de vivarium visitable. Et on a pour cette fois un paresseux. Alors je trouve pour le coup que d'avoir intégré le paresseux dans un vivarium visitable est plutôt intelligent, puisque ça évite de devoir créer nous-mêmes les structures d'escalade, etc. Vous avez juste à rajouter
le paresseux dans l'enclos. Rajoutez toutes les optimisations disponibles pour le paresseux et vous allez avoir un vivarium plutôt complet. Après, à vous de rajouter de la décoration, des plantes, etc., du décor autour, puisque comme vous savez, sur le vivarium visitable, vous avez la possibilité de le mettre complètement à nu et de lui enlever tout ce qui est grillage, porte d'entrée, plafond, etc. Donc, pour ce qui est de notre petit paresseux, que j'attendais avec impatience, que nous dit-on sur l'azoopétie de cet animal? Donc c'est un animal avec une préoccupation mineure, cependant la population dans la nature reste inconnue. Pour ce qui est de son habitat naturel, on le retrouve en Amérique centrale et du sud, dans les régions du Honduras, du Nicaragua, du Costa Rica, du Panama, Colombie, etc. On est sur un biome également tropical uniquement. Et son habitat devrait être compris entre 21 et 32 degrés. On le retrouve donc dans un vivarium visitable. Pas besoin donc de créer d'enclos pour cet animal. Au niveau de la sociabilité de cet animal, vous allez pouvoir en mettre jusqu'à 6 dans votre vivarium. Au-delà, il faudra les relâcher dans la nature ou les mettre dans un autre vivarium. Système de reproduction basé sur de la polygynie. Bien évidemment, le paresseux n'aura aucun avantage à partager son vivarium avec d'autres espèces. Voilà donc pour ces 5 nouvelles espèces d'animaux. Plutôt content pour le paresseux dans le vivarium visitable, puisque ça rajoute une nouvelle espèce pour ses vivariums. Plutôt aussi content pour le fossa. Les gibbons à main blanche, bon, ça reste très proche de ce qu'on avait déjà. Ainsi que le varan valet et le potamochère aussi, tout ressemblant à ce qu'on avait déjà. Dans l'ensemble, plutôt satisfait des éléments de décor. Des animaux quand même un petit peu, mais je trouve qu'on commence à avoir beaucoup d'espèces très ressemblantes entre elles. Voilà. On va parler maintenant brièvement de la petite mise à jour 1.13 gratuite, donc qui vient compléter ce pack. Habituellement, je fais une vidéo à part pour la mise à jour gratuite. Cependant, cette fois-ci, très peu de contenu visuel dans cette mise à jour, donc pas d'utilité de faire une vidéo à part. Donc, grosse nouveauté de cette mise à jour, c'est un rajout d'interaction sociale pour les animaux. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous allez avoir une petite ligne supplémentaire qui va s'ajouter au niveau de l'azoopédie dans l'onglet de l'information sur l'espèce, qui est donc règle de l'âge adulte. Donc là, on retrouve pour le potamochère, donc la règle matrilinéaire qui indique que les mâles adultes liés à l'alpha deviennent donc des intrus. Ça va permettre de comprendre plus ou moins pourquoi il y a des conflits au sein des enclos pour une même espèce, de comprendre pourquoi tel mâle et tel mâle sont en conflit. On aura par exemple l'info que un mâle sera un intrus par rapport au groupe et qu'il faudra donc l'extraire de ce groupe pour pouvoir assurer une bonne cohabitation sur les espèces qui restent. Mais je vous invite à aller sur le site de Planète Zoo pour bien comprendre cette nouvelle mise à jour. Ensuite, petite nouveauté pour cette mise à jour 1.13, nous avons la possibilité maintenant de retirer les bordures des allées naturelles et ainsi de pouvoir créer des allées invisibles. Pour cela, vous allez donc simplement dans les paramètres des allées comme pour les autres et vous allez avoir l'option de supprimer les bordures ou pas. Vous allez avoir une surbrillance sur l'extérieur du chemin qui va vous indiquer où se trouve donc votre chemin pour pouvoir le repérer facilement lorsque vous êtes en construction. Petit bémol pour les allées en surélévation, j'aurais aimé qu'elles soient invisibles également. Mais bon, on ne peut pas tout avoir, c'est déjà bien de pouvoir enlever les bordures pour ces allées naturelles. Petite nouveauté maintenant au niveau des axes complexes de déplacement. Petit rajout qui va être plutôt sympathique. Vous allez avoir maintenant un petit carré qui va s'afficher à l'intérieur des trois axes. Vous allez pouvoir, comme habituellement, déplacer sur l'axe X, Y, Z, vers le haut, vers le bas, droite, gauche, en avant, en arrière, etc. Peu importe comment vous placez votre objet. Et maintenant, si vous sélectionnez au niveau du petit carré la flèche verte et la flèche bleue en même temps, vous allez vous déplacer sur le même plan, donc en hauteur, et sur la droite, sur la gauche, en restant aligné au plan, tout simplement. Pareil, si vous sélectionnez la flèche verte et la flèche rouge, vous allez rester sur le même plan ici, aligné au plan des flèches. Également par le bas, on retrouve donc la même chose. C'est plutôt pratique lorsque vous voulez aligner par exemple plusieurs objets sur un mur. Prenons par exemple cette planche. Si je souhaite la déplacer sur la hauteur en même temps que la surface sur laquelle elle est posée, j'aurai juste à sélectionner les flèches bleues et la flèche rouge
et du coup je vais pouvoir la positionner là où je veux. Ça évitera de devoir uniquement sélectionner la flèche rouge et la flèche bleue en séparément. Là vous pouvez prendre les deux en simultané et vous allez être du coup aligné sur le même plan. Donc si vous faites un copier-coller, vous allez voir que là je vais me déplacer sur le même plan que la précédente. Voilà donc pour ce déplacement complexe multi-axe. Ensuite, dernière petite nouveauté, nous avons la possibilité maintenant d'activer ou de désactiver les objets escaladables. Donc lorsqu'un objet est escaladable par les animaux, vous allez avoir l'option d'activer ou de désactiver. Ce qui fait que si vous désactivez l'option pour cet objet, l'animal ne pourra tout simplement plus passer au travers de cette planche. C'est quelque chose de très intéressant, notamment si vous faites des enclos avec des barrières personnalisables. Ça peut être des barrières avec des troncs en bois comme ceux-là qui sont escaladables par les animaux. Du coup, si vous désactivez cette option sur ce tronc, eh bien, vos clôtures ne seront plus escaladables. Ce sera valable pour tous les objets qui auront donc l'option d'être escaladables par les animaux. Voilà donc pour les toutes petites nouveautés de la mise à jour 1.13 qui, je rappelle, est gratuite et qui viendra compléter le pack tropical. Pas besoin donc d'acheter ce pack pour avoir cette mise à jour. Elle sera donc disponible pour tout le monde. En revanche, pour avoir ces 5 nouvelles espèces d'animaux et tous ces nouveaux objets, il faudra donc passer par la caisse et acheter le pack tropical. Voilà donc pour la présentation de ce nouveau pack. J'espère que le contenu vous plaît. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu également. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut !